Hello! Hey! Agathe? Diego, enchantée! Enchantée! T'attendais plus? Rien que ça. Tiens. Merci. Elle est toute chaude. Non. Ça, c'est ma biche. Toi, c'est par là. Ok. Je suppose que tu veux te changer? Non, mais par contre, je veux bien prêter vos toilettes. Ah, les toilettes. Tu me les rends, les toilettes. C'est tout au fond. C'est tout au fond sur ta droite. Tout au fond sur ta droite. Voilà. Oulala. Commence par rire, juste à côté. Mais dès que tu la fous dehors, je m'en fous. Plaisante ou quoi? Non, je crois. Tu dois foutre dehors, elle mec. Va arriver comme ça. Arrête, je peux rendre pas l'aise. Elle va t'attraper. C'est des boulis dont tu savais. Alors, ça va? Bah, super. On est super content que tu sois là. Je te présente Aurel. Enchanté. Bonsoir, Aurel. Bonsoir. Il est pas là, Marc? Non. Elle veut boire quelque chose? Oui. Et je le savais. Dis-moi, tu te changes quand? Je sais pas, personne m'a dit que c'était une soirée à thème, donc... J'ai envoyé un mail. Je vois pas de quoi tu parles, j'ai pas reçu le mail. Je dis ça parce que le tricot, c'est un peu limite. Mais toi aussi, t'es limite, en fait. C'est quoi ton souci, là? Non. Bon, les hauts les cœurs. On est ici ce soir... pour l'anniversaire de ma petite couille. Magique. Allez, je reviens. Bon anniversaire, petite couille. Hein. Parce qu'en fait, pour l'histoire, ouais. En fait, je suis né à minuit 10, mais en fait, il y a 26 ans. Et donc là, comme il est que 23h20, ça va tarder. On s'en approche, du coup, ça va progresser. Alors, tu as fait connaissance en fait? Ouais. Super. Bon allez, je me lance. Bienvenue à l'anniversaire d'Aurel, ma petite salamandre, mon petit aigle des îles comme j'aime l'appeler. Je suis là modestement en animateur de soirée, en... maître de cérémonie. J'espère qu'on va bientôt ôter les tricots. Que ça va être chaud. Que ça va être calme. Que ça va être... En fait, je voulais dire que j'adore ton tricot. Ouais, super, merci. Pour faire déhancher plutôt vers la gauche. Enfin, les gaulets. En fait, je suis stressé, en fait. Je suis en crise. Sur l'équateur, vers l'est. On reste encore dans la géographie. Est-ce qu'on va se retourner? Quoi? Je te dérange encore une fois. C'est par rapport à ton entreprise. Tu travailles dans une entreprise, t'es salarié. T'as ton compte, d'accord. Tu sais que t'es vraiment chelou, hein. En fait, tu t'es dit, je suis en crise. Et aussi de l'autre côté, on va pouvoir donner tout ce qu'on peut. Voilà. Ça va être la folie. Qu'est-ce que t'es obligé de répondre? Plus facilement enlever quelques... Du coup, ce soir, t'arrives parce que j'y vais avec Diego, mais t'arrives? En fait, c'est un secret. Quoi? Mais juste pour l'ambiance. Tu prends pour une pute, c'est ça? Qui a dit mot pute? Mais je sais pas, vous parlez de tarifs, là, c'est quoi le délire, en fait? C'est un cadeau. Moi, c'est un cadeau? Putain, mais... Bande de tarés, va! Hey, ça va? Marc, coucou! Ça va et toi? Ouais, super, merci beaucoup pour la soirée, c'est cool. Merci d'être venu, c'est super sympa. Je t'ai pressé, du coup, je te le mets où? Attends, j'aimerais que tu le poses juste ici. Yes. Au fait, t'as pas vu Agathe? Désolée mes petits chats, mais je suis à la bourre. Et ben voilà le cadeau. Un petit conseil, fais-leur bien bien mal parce que là ils sont chauds. Attends, j'ai tout ce qu'il faut. Mais c'est pas compris dans la presta. T'inquiète pas pour ça. Fais-toi plaisir, c'est moi qui offre. Ça marche. Bah les voilà mes petits cochons.
Toi, viens ici. Ah, t'as pas compris ce fouet dans la formule. Et toi, ferme ta gueule, on t'invite. Ah. 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 Ah.